C'est tellement un bon. Ça brûle de ton côté, tu restes avec toi. Ça brûle, Julie, tu peux y aller quand tu veux. Alors, dans le futur, je vais te demander de dire ton nom complet et ton titre aussi de façon qu'on te veut ton présent. La négligence criminelle a causé l'explosion de cette semaine et à cause de laquelle nous avons plein d'amis proches, plein de gens qu'on aime, plein de familles qui sont soit morts, soit blessés, soit disparus. Nous sommes aussi là pour demander au gouvernement canadien de ne pas envoyer aucune aide via les canaux officiels libanais. Et de bien choisir l'ONG locaux au Liban, des ONG, des organisations à but non lucratif indépendants et crédibles. Parce que nous savons très bien que le gouvernement va voler tout argent que nous sommes. Nous sommes aussi ici pour demander de l'État et la démission du Conseil général. Soutenir les demandes au Liban
pour une enquête d'experts indépendants pour bien comprendre et examiner ce qui s'est passé, pour qu'on puisse avoir la vérité, parce que ce n'est pas avec le gouvernement libanais qu'on va avoir la vérité. Et enfin, nous demandons au gouvernement canadien d'interdire les partis professionnels libanais ici à Montréal, parce qu'ils sont, pas, ils sont, der, ils sont là, là, parce qu'ils sont derrière. Les partis confessionnels à Montréal, il y en a plusieurs. Je pourrais passer une bonne trentaine de minutes à vous les nommer. C'est tous les partis confessionnels qui ont fait partie des gouvernements libanais depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui. Ces partis-là sont derrière la catastrophe qui est le Liban, à laquelle le Liban est arrivé aujourd'hui. Ils sont derrière la répression des Libanais et l'atteinte. Ils sont derrière l'atteinte aux droits de l'homme du peuple libanais et derrière cette corruption à laquelle on est arrivé aujourd'hui. Donc nous voulons que le gouvernement canadien interdise ces partis politiques-là au Canada, en espérant de voir naître au Liban un système laïque, non confessionnel, égalitaire, où tout le monde est sous la loi. Non, c'est des expressions de... C'est en fait des représentations ici. C'est des gens qui sont actifs pendant les élections du Liban, qui sont actifs à Montréal et au Canada. Donc, nous aimerions que le Canada interdise toute représentation du parti professionnel libanais au Canada. Parce que cette partie professionnelle fait partie du gouvernement de 1980 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons causé non seulement corruption, non seulement vol et atteinte à la liberté et aux droits de l'homme, mais aussi la mort de plein de personnes. Oui. Donc, on espère attirer l'attention du gouvernement canadien pour leur dire que le Liban a besoin de démission. Cela, nous avons besoin de pression internationale pour que les Libanais et les efforts des Libanais depuis le 17 octobre 2019 jusqu'à maintenant puissent être entendus. مسكرين للطريق فينا نكون بالنص فينا سو ما فينا نكون بالطريق معلش مسكرين And we have a deep survivor's remorse to know that we have a good life here where we could have money and we could work and we could actually get food and pay our rent. And over there, on top of an economic collapse, a pandemic, this is what they have to go through. It's not fair. If anybody knows Lebanese people, they know that they are the most generous of people. They are the kindest of people, and through the darkness, they always find light, and we will find light again. But we need these pigs outside of the government so that we can have the opportunity to really build a country that we could stand for. Do you have any like family back there? I have a lot of relatives and family and cousins and uncles, and their shops have been shattered. Their glasses have been shattered. They were injured. We couldn't find my uncle for 2 days. They're going through so much. And I can't even imagine being family members of the victims that are yet not found. And that might never be found. So what do you need?
want to see the change in our government. I want the president to go down. I want Hezbollah to get out because he does not represent us. I want Israel to back off. And I need us to finally have neighbors that will let us be. And that's only going to start when our government officials stand for the people and don't sell their souls to our neighbors and to other countries for the benefit of their own pockets. Sorry that I got carried away, but what we feel now is not even 1% of what the people are feeling there, the people that are actually suffering. All we can do is send money and raise awareness, but it's not enough. We need other people to help us. So I ask of everyone and anyone, I'm sure they're on Instagram, there are so many NGOs that they can donate to, the Lebanese Red Cross being one of them, Beit al-Bara being one of them, these are trusted organizations. Please donate, your prayers are not enough. We need donations. Are you guys here sending anything back to Lebanon? 100%, we're collecting funds and we're sending it, we're donating, we're sharing awareness, and I have offered personally to collect money and to send material goods, since we have a chartered plane that was approved by the consulate to go to Lebanon. They don't only need money, they need actual food and goods, because their main resource was the port. And now that the port is gone, this is how we're going to get to them. And this is how they still need masks and they still need drugs. They are still going through a pandemic. And I know that the numbers of the cases are going to rise because of what happened. So please, it's not enough to send money, we need to send goods. There's a cutoff time today at 9 o'clock, it's on Pure La Belle. And they could go there and drop off clothes, drop off any type of non-perishable goods, and it will get to them. I believe tomorrow, but the cutoff is today, tonight at 9 p.m. Okay. I have something with the address. Okay. Thank you. Non, c'est bon. C'est okay.